Eh bien salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le 25 décembre, c'est Noël. Et comme vous le voyez à l'écran, ça y est, c'est le G7X Mark II. Putain, yes! C'est bon les gars, c'est bon, ça y est, c'est terminé ce Nikon Coolpix de merde. C'est terminé, ça y est, maintenant c'est de la qualité extraordinaire. C'est génial, oui. Les gens, aujourd'hui donc, comme je l'ai dit, mais je le redis, on sait jamais, peut-être que vous avez pas entendu. Toute nouvelle vidéo, et donc première avec ce G7X Mark II. Et il pèse quand même, hein, j'ai déjà mal au bras, donc je suis pas sûr. Donc on est le 25, je me répète, c'est vrai. Bon, on est le 25, et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai eu. Voilà, tout simplement. Alors, je change de bras, voilà, tout simplement. Et bah voilà, je vais essayer de faire ça plutôt rapidement. Alors par contre, si vous me voyez de temps en temps regarder juste au-dessus de l'objectif, en fait, c'est juste que bah, j'ai pas du tout l'habitude, sachant qu'en fait juste au-dessus de l'objectif, donc voilà, vous voyez, c'est là, juste au-dessus, en fait, juste derrière, il y a l'écran que je peux voir. Donc là je me vois, là je vous regarde pas, là je me vois tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, c'est une vraie dinguerie ce G7X. Donc voilà, c'est le premier cadeau de Noël. Voilà, honnêtement, c'est le cadeau que je me suis offert, et donc ce G7X Mark II, voilà, c'est le premier. Donc vous le voyez pas, mais vous le voyez en vidéo, voilà. Donc bon, là il y a un petit peu de musique, voilà, on se fait plaisir, on s'ambiance tranquillement. On est parti tranquillement, les gens, pour que je vous montre tout simplement les cadeaux. Donc j'ai mis tout ça dans un sac. D'ailleurs, cadeau maestro, c'est le feu. Voilà, j'ai acheté pas mal de cadeaux pour ma famille sur ce site. Donc le feu, voilà, tout simplement. Et puis donc on est parti les gens. Donc premier cadeau, donc je le prends comme ça, hein. Tout simplement. On va regarder à la lumière. Ah, je suis du mauvais côté, voilà. Donc, Paco Rabanne, voilà, donc à l'intérieur il n'y a rien de semblant parce que je l'ai enlevé. Mais voilà, c'est tout simplement une autre toilette et un déo. Donc c'est plutôt le feu. Donc ça c'est de la part de mon patron, étonnamment. Donc voilà, petit champs édition, j'ai dit quand même champs édition, hein, je suis un petit peu fatigué. Champs-Élysées édition or, voilà, donc plutôt sympa. Donc ça aussi c'est mon patron qui m'a offert, donc des petits gobelets. Et franchement, des petits gobelets M&M's, et franchement ils sont vraiment pas dégueux, donc c'est cool. Donc ici dans ce carton, alors vous ne le voyez pas, par contre le focus qui ne se met pas, c'est embêtant. Je vais peut-être faire une petite ellipse les gens. Ok, donc on est reparti les gens. Donc dans ce carton il n'y a rien, forcément, parce que je l'ai enlevé. Mais en fait c'est tout simplement, donc ce n'est pas un iPhone, hein. C'est tout simplement une coque, voilà, le feu. Voilà, une coque externe, donc batterie, une coque batterie, et puis bah, c'est le feu, quoi, parce que voilà, j'avais bien besoin de ça. Et bah, maintenant je l'ai, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, une petite coque qui fait plaisir. On va prendre ça, hop là, allez bim. Je me demande ce que c'est, donc on va peut-être faire le con. Tout simplement, voilà, là le focus il se fait, ça fait plaisir. Donc voilà, un demi-mètre de Kinder Chocolat, on se fait plaisir. Plus de lait, moins de cacao, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc du chocolat encore. Là c'est du lourd, c'est du très très lourd les gens, vous êtes pas prêts. Ah, attendez, petit suspense. Tintintintintin. Voilà, le focus qui s'est fait, il me semble. Donc voilà, l'intégrale, les 8 films intégrale, Blu-ray. La folie avec des bonus et tout, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt lourd, donc on va vite reposer ça. On va prendre ça, hop. Ah, je l'ai pris du mauvais côté, attendez, hop. Et bim, voilà, petit rasoir Philips série 7000 qui fait plaisir. Voilà, donc aspire jusqu'à 80% des poils, donc autant te dire que si j'ai des poils qui partent, ils vont se faire aspirer. Voilà, c'est le régal. Donc voilà, c'est cool, c'est plutôt sympa, un petit rasoir que j'avais demandé. D'ailleurs, mets un petit pouce bleu, comme dit Ibra TV, pouce bleu. Donc ça, voilà, mauvais souvenir, mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est un cadeau. Bon, là par contre, il y a des notifications, là, la Garance et Charlène, là, les deux, là. Je vous en parle après, d'ailleurs. Donc, eau de toilette Euro 2016. Donc, bah, j'espère qu'elles sont bonnes, mais bon, les connasses. Bref, allez, hop, on va prendre un autre pack opening. Voilà les gens, Star Wars, l'intégrale de la saga,
coffret 9 Blu-ray, 40 heures de bonus, contient les 6 films. Donc j'ai commandé cette nuit d'ailleurs le 7ème, parce que bah, évidemment il est pas dans celui-là. Donc voilà, donc ce cadeau, voilà, petit DVD, Paris Saint-Germain, backstage, entrée dans la légende, donc c'est toute l'histoire du PSG un petit peu, je pense. Donc voilà, vous voyez, ce documentaire, blablabla, donc là, voilà. C'est l'histoire d'un club passionnant et sa formidable ascension, voilà. Voilà, donc pour tous les rageux qui disent, ouais, le PSG, il existe que depuis les Qataris, je vous conseille d'acheter ce petit DVD et ça fermera des gueules. Et on est au dernier cadeau, avant-dernier, donc encore des chocolats, les gars. Eh, Champs-Élysées, j'avais déjà Champs-Élysées en boîte là-bas, j'ai celui-là maintenant. Donc la folie, encore des petits Champs-Élysées, des chocolats, et c'est cool. Donc encore des chocolats, voilà, des chocolats, expression gourmande, voilà. Donc on a assortiment de chocolat au lait noir et blanc. Donc, bah c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt cool, vous voyez, ça brille, ça c'est limite si ça te fait mal à la rétine. C'est bien, c'est bien. Et donc, le dernier cadeau que j'ai eu, c'est tout simplement cette enceinte portable Bluetooth. Ça c'est la famille, ça, Onizuka. Elle est là. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, juste avant de vous montrer une petite vidéo très sympathique, je tenais juste à remercier YoMax38, voilà, donc un des youtubeurs FIFA connus, en tout cas en France, pour son petit RT sur Twitter, voilà, parce que j'ai, comme vous l'avez vu la précédente vidéo, bah, c'est une vidéo pack opening sur FIFA où j'ai packé du très très lourd. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc voilà, merci mec d'avoir retweeté, parce que j'ai gagné. Ok, je viens de voir une araignée. Ok, je vous la montrerai juste après l'araignée. Donc merci YoMax, j'ai gagné une quinzaine d'abonnés grâce à toi, et une quinzaine. Quand je gagne très peu d'abonnés par an, ça fait super plaisir. Donc voilà, merci Pause Bleu pour YoMax, voilà. Donc je vous montre vite fait l'araignée, voilà, parce que là, bon, regardez là. Pute, elle est dégueulasse. La dernière chose que j'avais à vous montrer, les gens, c'est une petite vidéo que j'ai mis, en tout cas, sur Facebook. Bon, c'est normal si c'est comme ça, mon PC est dégueulasse en ce moment. Enfin, il est dégueulasse depuis que je l'ai acheté, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'ai été chez le barbier hier, donc je pense que ça se voit quand même. Regardez la vidéo FIFA et regardez cette vidéo-là, vous allez voir que déjà niveau barbe, là, c'est le feu, quoi. C'est le feu, petit dégradé sur les côtés. L'arrière, voilà, le feu, donc c'est cool. J'ai été chez les garçons barbiers à Saint-Lazare. Je vous conseille cette adresse, c'est incroyable. Voilà, j'avais l'impression, je me suis dit, putain, comment ça va se passer, et au final, bah, c'était vraiment chill. Il y avait la petite musique et tout. J'étais avec mon beau-frère et c'était vraiment le feu. Et faut savoir que BFM Paris était présent pour un petit reportage sur les fêtes de fin d'année. Et j'ai eu un petit interview. Voilà, j'apparais en vidéo. Alors, donc là, voilà, c'est moi, hein. Donc à ce moment-là, bah, j'avais la petite serviette chaude sur la gueule. Et donc, on est parti, j'arrête de parler, c'est parti les gens. Barbe, un concept qui a séduit Nicolas la première fois qu'il se rend chez les garçons barbiers. J'étais jamais allé chez un barbier, j'avais envie de faire cette expérience. Et bah, ça s'est très bien passé. Je suis prêt, tout est prêt. Donc la barbe c'est fait, les cheveux c'est fait. Bonne fête, salut. Pour Noël, Nicolas repart donc avec une barbe au poil. Donc voilà, j'apparais à la télé, ça fait plaisir, c'est génial, ça fait plaisir. Bon, j'étais déjà apparu à la télé, mais on me voyait beaucoup moins à Danser avec les Stars. Mais bon, là c'est vrai qu'un petit interview, c'est vrai que c'est fou, quoi. C'est fou de se dire, c'est incroyable la différence. Et je vous le dis vraiment, c'est pas du mytho ou quoi. Mais la différence d'être dans sa chambre, voilà, de se filmer, d'être tranquille, d'être peinard. Et la différence de se faire filmer par quelqu'un d'autre. Et bah cette fois, tu vois, c'est une grosse chaîne, c'est la télé, quoi, c'est la télé, et même si BFM Paris, tu vois, c'est pas BFM TV, c'est une branche de BFM, mais ça reste quand même, c'est ouf, voilà, c'est ouf tout simplement.
J'espère que cette vidéo t'a plu, ou vous a plu, hein. Ça se trouve vous êtes plusieurs dans une même pièce, dans une même chambre, à regarder cette vidéo, on sait jamais, hein. Voilà donc les petits cadeaux qui font plaisir, j'ai fait plaisir à mes proches, vous inquiétez pas, je viens de voir l'araignée bouger un petit peu, c'est tout simplement horrible, voilà, c'est horrible, faut se le dire les gars, c'est horrible. Et puis voilà, je pense que la prochaine vidéo ça sera en FUT, voilà, ça sera sur FUT. J'ai une petite BPL à vous montrer en vidéo qui, voilà, elle est exceptionnelle cette BPL. Même si j'ai un petit peu de mal avec certains joueurs, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Encore un merci à Yomax pour son RT sur Twitter qui m'a fait gagner des abonnés. Et voilà, joyeux Noël à vous. Cette vidéo sera postée normalement demain, donc le lundi 26. Mais voilà, joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, passez un bon nouvel an et que 2017 vous sourie à tous. Voilà. C'était Dinko, prenez soin de vous. Allez, ciao.